Alright tout le monde, je suis Justin R et on se retrouve sur la suite de Star Wars Jedi Survivor. Donc avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux qui prennent le temps de liker, qui s'abonnent également, ça m'aide beaucoup et j'apprécie énormément, donc un grand merci à vous. Et puis nous, on continue ça, donc là on va voyager à la nouvelle planète qu'on doit aller. Qui est... Est-ce qu'on s'en va à Jeddah? Donc, voyager ici. Cap sur Jeddah. Oh ouais, on voit le vaisseau décoller, ça c'est cool. Ça doit être agréable de remonter dans le cockpit après si longtemps. Ça va, ouais. C'est le temps de me réhabituer. Je suis jamais allé sur Jeddah. On va dans la ville? Non. Aux dernières nouvelles, Ceres planque dans le désert avec des ermites bizarres. Les Anachorètes. Ah, j'aurais préféré qu'elle choisisse un culte plus vivant. On capte un signal de Jeddah. C'est serré. Je l'ai prévenu en avance de notre arrivée. Je la mets sur l'holo projecteur. D'accord. Let's go! Ok, je dois interagir. Moi, j'attendais que la planète arrive. Cal Kestis, c'est un honneur. Oui, salut. Ceres est là. Il nous tarde que vous arriviez. Toutefois, une tempête de sable fait rage actuellement. Il serait trop dangereux pour vous de vous poser ici. Comment je vous rejoins alors ? Maître Junda a envoyé une escorte qui vous guidera jusqu'à nous. Quoi, elle envoie quelqu'un d'autre ? Je transmets les coordonnées du point de rendez-vous à votre pilote. C'est bon, je les ai. Débarquez avec précaution. Des patrouilles impériales ont été aperçues dans le désert. Mmh. Merci pour l'info. Bon ? Ils me font froid dans le dos. Je me demande quel genre de dégénéré elle va t'envoyer. Et l'Empire est là aussi. Je m'attendais pas à ce genre d'accueil. Allez, retrouvez le contact de Serré. Fais attention là-bas. Essaie pas de jouer au héros, d'accord? Grise, est-ce que tu racontes des histoires sur moi? J'ai d'autres sujets de conversation que toi, petit. Ah, wow, le désert, ça c'est cool. Allons retrouver l'escorte de Serré. Le point de rendez-vous est droit devant. Eh merde, attends, je me rends pas. Oh non, je me rends pas. Oh merde. Oh, ils m'attaquent, eux autres. Bien joué. Il va falloir grimper. Accroche-toi, BD. Est-ce que je peux monter ici? Oui. Oh. Je dois faire attention. Raccourci. Ouais, quand c'est des levels là, linéaires, là, ça... Ça charge pas, y a pas de shader cache, ça lag pas, j'ai du 60 FPS constamment, en épique, 2K, no scaling, ça va super bien, c'est vraiment juste dans les trucs open world, ou quand ça load un petit quelque chose des fois. Jeddah, pas mal. Wow. Allons voir. Je dois me recentrer. Allez, rassemble-toi.
On va juste se reposer. Compétence, j'ai un point, mais je vais attendre d'avoir des nouvelles affaires. Good. On peut y aller? Yes. Oh. N'approchons pas du sable, BD. Je veux pas finir en casse-croûte. Ah, ils sont morts, mais c'est qui? C'est quoi qui avait autour? Hey, mon personnage, je le trouve vraiment cool comme ça, man. Il ressemble vraiment à Obi-Wan, il est vraiment nice. Il y a juste les lunettes que je trouve qui ont un petit peu de trop, là. Je les enlèverai un peu, mais bon. Bon, on doit éviter le sable. Par là de bord. Ouais, c'est par là. Comme ça. Salut. Aïe aïe, man, je vois rien avec les caliques de piliers. Oh, il m'a poigné droit dans les airs, le salaud. Midi. J'ai oublié que je peux lancer aussi mon comme ça. Ouais, j'oublie que j'ai tout le temps plein de combos, mais je les utilise jamais en fait. Je sais pas pourquoi. Ok, je peux pas monter par ici. Bon, je suis allé Google ça parce que ça fait genre 15 minutes. Je sais pas si c'est moi qui est niaiseux, mais j'ai fait le tour partout. J'étais là-bas. Là, j'étais là. Là, je cherchais une place où aller. Parce que je pensais qu'il fallait quelque chose pour ouvrir la porte, mais non, on peut juste l'ouvrir nous autres mêmes. Hein? C'est le fun à savoir. Bon, good. Tu sais, ça aurait été le fun d'avoir une interaction. D'habitude, quand on doit utiliser la force, la porte est bleue ou bien l'objectif est bleu. Ça, c'est parce que il faut utiliser la force. Ah, ils se battent contre... Cette canonnière se dirige vers le point de rendez-vous. Ils vont atteindre l'escorte de Serré avant nous. Ils se battent contre qui, eux autres? Ah. J'espère que je vais gagner. Il tombe au slow motion. On dirait un parchemin. Oh! Je sais pas depuis combien de temps il est là. Ok. Bon, allez, on va continuer ça. Après 15 minutes là, de tourner en rond. Oui, je l'ai vu! Oh merde! Ok. Là, je peux interagir où? Non. Ok, c'est ce que je pensais. Bon, encore bloqué. Ok, là, il y a quelque chose que... Est-ce que je peux monter? Non, il va glisser. Bon, ok, ça n'a pas rapport. Non. Bon, ben, je crois que je vais juste sauter.
Et merde. Il abandonne pas. C'est respectable. Oh merde. Oh, t'es sérieux, là? Non. Hey, là. Come on, là. Je peux pas juste sauter de l'autre bord? Ah, ok, il a fallu que je fasse ça. Comme ça, ok. Oh merde. Désolé, je suis en train de stresser tantôt là parce que je pensais que l'autre il cognait, puis là j'allais tomber, je le sais pas là, mais en tout cas je stressais. T'as quelque chose, BD? Super. Puis des fois, man, c'est, je sais pas, je trouve ça que des fois je suis confus, je sais pas trop où aller, je sais pas trop qu'est-ce que le jeu veut qu'on fasse. Comme là, le parcours, il était mal indiqué, je trouve, dans ce moment-là. Des impériaux. Peut-être que quelqu'un à la base de Céré saura quoi en faire. Raccourci, et voilà. Bon, mais finalement, je retire un peu ce que j'ai dit. J'ai dit tantôt que là, ça allait super bien en frais d'FPS. Mais là, des fois, j'ai des petits lags un peu. J'ai des drops. On doit retrouver l'escorte avant l'Empire. Bon, on va se reposer un peu. Et voilà. Alors, tu m'observes ? Comme au bon vieux temps. Surpris de me voir ? Je croyais qu'ils enverraient quelqu'un de plus... de moins familier. Je n'en jugerai pas si vite, Calcestis. Bien des choses ont changé depuis la dernière fois. Oui, je vois ça. Viens, mon speeder est là-bas. Ton land speeder ? Les Stormtroopers l'ont trouvé.
Alors on va s'occuper d'eux. Et on dirait qu'ils nous ont trouvés, nous aussi. T'es prête? Essaie seulement de me suivre, Jedi. Notre ennemi n'a aucune chance. Les plus sont rapides. Restez en approche. Ne laissez pas filer. Attaquez la tête. Faites attention. Y'a rien qui passe. Comment ça qu'il m'a eu? What the fuck, dude? Je suis en train de bloquer. Peux-tu scraper mon moment, mon momentum? Cal, le mur! C'est pas fini. À nous deux, on peut l'avoir. Je suis avec toi, Jedi. Il n'y a pas d'issue. Demande de maintenance. Ah! Laisse-moi m'en occuper. Bon, je me suis bloqué, mais bon. Oh, c'était cool ça, les petits combos. Vous ne pouvez pas fuir. C'était le dernier. Tu as appris de nouveaux tours. Toi aussi, on dirait. J'ai trouvé un câble d'ascension. Tu vois quelque chose auquel je pourrais l'accrocher? Ça te plaît? C'est cool, par exemple, le petit duo qu'on a. Explorer la galaxie. Qu'est-ce que tu fais sur Jedha? Jedha fait partie de la galaxie, Cal. C'est bon à savoir. Je passe voir Serré de temps en temps. Quand j'ai su que le Mantis arrivait, j'ai proposé de vous guider. Il faut aller de l'autre côté. Oui, ça pourrait marcher. On devrait se dépêcher, Cal. Une tempête approche. Bon, de l'autre côté où? Par là? Des Stormtroopers. On devrait les encercler et leur tomber dessus. J'aime bien cette idée. Comment tu peux en être sûr? Juste un speeder? C'est la logique. Je vais où? Ah. Non. Bon, aucune calisse de quoi faire encore. Ah, c'est pas. Attends. Ah, je suis bien con. Je l'avais pas vu. Nous devons les abattre avant que d'autres n'arrivent. Comme l'autre fois sur Nar Shadda? Exactement. Je te suis. C'est une première. Il est là! Détruis le speeder! Oh merde, j'ai tout scrappé parce que j'ai utilisé la force de 2 secondes. Ow! Ouais, un peu plus et c'est bon. Ok, je pensais que c'était une cutscene. La façon que la caméra était ciblée, je pensais qu'il y avait une cutscene. Eh, le jeu, il est buggé, man. Ça va? Ça va, oui. Par contre, mon speeder... Même si la tempête se calme, Serré est trop loin pour continuer à pied. Quoi tu penses? On pourrait se trouver un transport? Très bien. Suis-moi. J'aimais mieux son ancien modèle, elle. Tu n'as pas encore appris à voler, si? Malheureusement, non. Alors il faut trouver un moyen de passer. La plus belle avec ses cheveux longs. Tu le vois? Oh, tabarnak. Je pensais qu'il fallait que je m'agrippe. Je suis pas habitué d'être en solo. J'ai vu une interaction où il me disait « Ah, je vais m'agripper ». Mais finalement, je pouvais pas m'agripper.
Désolé, on dirait que je suis moins dans le jeu, justement, à cause des bugs qu'il y a, les lags, les frame drops. On dirait que je suis un petit peu moins dans le jeu. Envoie, je le prends un petit peu moins au sérieux, je sais pas, je trouve ça dommage. Le prix qu'il m'a coûté en plus, là. Toujours aussi habile? 100$ un jeu. C'est juste une blague, droïde. Par là. Il n'est pas coincé, j'espère. Nom d'un site, c'est bloqué. Oh, attention! Tu essaies de me tuer? Désolé, je pensais que... C'est bon, Cal. Recule. Je vais réparer ça. Qu'est-ce que tu fais? Je restaure ce que tu as plongé dans le chaos. Incroyable. Ça avait l'air fatigant. Tu veux faire une pause? La tempête approche. Je me reposerai quand on sera arrivé à la base de Céré. Où tu as appris ça? Sur Datomir. Tu es retourné chez toi? Oui. Mes sœurs sont parties. Mais leur sagesse reste. Ah, les spamels. De quoi? Ok. Ils se sont arrêtés à une oasis. On se rapproche. La créature est partie, mais elle va revenir. Nous n'aurions jamais dû faire ce voyage. Que les Jedi nous protègent. Non, j'ai dit au début là, que les frame drops, là, c'était le fun, parce que quand c'était linéaire, il n'y en avait pas. Mais finalement, il y en a autant. Ouais. On n'est pas à l'abri de ça, finalement. Bon, allez. Quand tu veux. J'aimais vraiment bien ce speeder. Ok. Je vais t'arrêter. Avoir un ennemi. Notre ennemi est déséquilibré. Ah, Colin. Ah, ça marche jamais faire des combos là-dedans. Me fait tout le temps attaquer. Tu vas céder. Good job. Ça s'est bien passé. J'essaie de faire des combos des fois. Mérine, tu t'en occupes? Bien sûr. La misère encore un peu. On se retrouve de l'autre côté. Merci. C'est quoi, non? Oh merde! Ah, salaud! Oh. Ok, phew. J'étais sûr que j'allais tomber en bas. Wow, c'est cool ça. C'est le fun, par exemple, être en duo comme ça, c'est cool. Je sais pas si dans l'autre jeu on avait ça. Il me surnomme le fantôme du désert. Le fantôme du désert, hein? Hanter les impériaux est devenu mon passe-temps préféré. Peut-être que quelqu'un à la base de Céré saura quoi en faire. Ça en bas, je pense que oui. Je sais pas si dans l'autre jour on avait ça, des petits moments du haut comme ça. Pour bâtir tout ça. Et maintenant, ceux qui l'ont construit sont partis. J'ai découvert les restes de nombreuses civilisations pendant ma voyage. Oh, cool. Ah, je pensais que c'est de la lave.
Prépare-toi au combat. Ensemble, Cal. Désolé, j'oublie tout le temps que t'es avec moi. On préfère des corbeaux à deux, mais... Yeah! Par ici? Tu sais qui c'était? Non, mais serré peut-être. BD, tu trouves pas qu'il ressemble à Cal? Tu as toujours aimé l'escalade. J'ai pas perdu la main. Si c'était une blague, j'espère que tu vas tomber. Ah merde. Good. Oh cool. Un nid de scriton. Mais où est le scriton? Quelque chose approche. On peut l'avoir ensemble. Ah, c'est lui! Eh merde. Par ici. Des fois, j'essaye d'esquiver, puis esquive pas, merde. Il va céder. Ça va aller. Let's go, Cal. Dans le vide. Frappe dans le vide, yes sir. Ah, il est pas vraiment résistant, par exemple. Travail. Toi aussi. J'ai compris, BD. Fais-moi voir. Un coup de main? En ai-je envie. Merci. Serré serait déçu si je te laissais mourir seul dans le désert. Non, arrête, tu m'aimes aussi, là. Le spamel. Tu penses vraiment pouvoir en apprivoiser un? Je peux essayer. Une oasis! On est sauvés! Maintenant, nous avons la force de franchir le pont. Que les Jedi nous protègent. Tu es fatigué? J'ai besoin d'un instant. On peut? On a-t-il une sauvegarde, non? Ok. Je me demande ce que mangent les spam. Tu veux de l'aide? Merci. Mais je me débrouille. Oh oh. On y va. La base est loin? Plus vraiment, grâce à notre nouvel ami. Et maintenant, on a le temps de discuter. Sans blague. Ça fait des années. T'as dû visiter la galaxie tout entière. Presque. C'était comment? Incroyable. La cité engloutie de Curato, les falaises de Persaia, la galaxie souffre. Mais elle est encore belle. Le chemin du retour. Tu as eu affaire à l'Empire? Bien sûr. On vit à une époque difficile. J'ai aidé ceux que j'ai pu. Je suis content que t'ailles bien. C'est réciproque. Où que j'aille, tu n'étais jamais très loin de mes pensées. Oh. J'ai jamais vu de tempête pareille. On ne sait jamais combien de temps elles vont durer. Eh bien, n'attendons pas de le savoir. Exactement. Tu as évité Serré pendant des années. Pourquoi venir la voir aujourd'hui? J'ai besoin de son aide. On recherche quelque chose lié à l'Ordre Jedi. Intéressant. Tu nous en veux toujours d'être partis? Je m'y attendais pas vraiment, Meryn. On part tous dans des directions différentes. Je comprends, Cal. Mais chacun avait ses raisons. Cher Spamel, est-ce que tu peux aller plus vite? Yeah! Ah, merci de me l'avoir dit.
là, ça va bien. On doit se dépêcher. Plus vite. Il faut qu'on se dépêche. Le Spamel est effrayé. Il me résiste. On peut ralentir. C'est cool. Mérine, tu m'entends? Je la vois pas, BD. Par ici. Mérine, on arrive. Tout va bien. Pour le moment. Par ici, et vite. Et maintenant? On doit continuer. Oh merde. T'es-tu sérieux? C'est quand tu veux. Ça marche pas, c'est quoi que je fais? Ah, c'est left. Désolé, je suis con. Spamel a dû trouver un abri. Par ici. Ce Spamel nous a sauvés. On peut lui pardonner de nous avoir abandonnés à une mort certaine. C'est vrai. Voilà. C'est pas mal pour cette nuit. Assieds-toi. Raconte-moi quelles aventures BD et toi avez vécues depuis la dernière fois. Bah, comme d'habitude. Combattre l'Empire et tâcher de se rendre utile. Sans rester longtemps au même endroit. Et... Je crois qu'on a fait une grande découverte. Un endroit où l'Empire ne peut pas nous trouver.
Mais ça implique de ne plus se battre. Et me battre, c'est tout ce que je connais. Cal. Regarde bien le feu. Il te réchauffe. Il te tient compagnie dans la longue solitude de la nuit, n'est-ce pas? Mais laissé sans surveillance, il brûlera tout ce qui se trouve sur son passage. Jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. Mais par une nuit froide, comme celle-ci, un bon feu est idéal. Et ça ne fait pas de mal, un peu de compagnie. Tu m'as manqué, Mérine. Toi aussi. Il fallait que je parte, Cal. Pour voir enfin la galaxie de mes propres yeux. Qu'as-tu trouvé? Je me suis trouvée. Je me suis vue dans tous les lieux et les personnes que j'ai découvertes. Datomir sera toujours mon foyer, mais ça ne doit pas me définir pour autant. J'arrivais pas à comprendre ton départ. Mais avec du recul, je crois que tu as fait le bon choix. Il en reste un peu. Bonjour. Le temps s'est arrangé. Allons-y. Oh, on a de la romance avec Mérine et Cal. Yeah! C'est vrai qu'elle est cool, Mérine. Qu'est-ce qu'on a là? Eh bien... on a survécu à notre première tempête ensemble. En effet. Je suis content qu'on ait pu se revoir. Tu restes combien de temps sur Jeddah? Je ne sais pas. Mais j'ai hâte de revoir Grise. Comment il va? Ça peut aller. Il a ouvert le Pailoun Saloon. Il l'a nommé en hommage à son arrière-grand-mère? Rien n'est plus important pour Grise que la famille. T'es sérieux, man? Let's go, let's go, let's go, yeah! Bon! Pourquoi t'as pas été capable la première fois, maudit nul? Nul à chier. Ah, t'es sérieux? Eh là là. Bon! Hey, ça c'est poche là pour elle là. Je trouve tellement ça gossant, là. Par là, hop. 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 Bon.
Bonjour, mon ami. Quel plaisir de te revoir enfin. Maître Cordova, c'est un honneur. Je ne pensais pas vous rencontrer un jour. L'honneur est pour moi, Cal. Serré m'a tout raconté. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure et de sagesse également face à l'adversité écrasante. Vous avez fait le bon choix. Eh bien, je n'irai pas jusque-là. L'Empire s'est emparé des ruines. Il faut trouver un nouveau point de rendez-vous. C'est malheureux. Mais au moins la tempête a masqué vos traces. Venez, je vais vous escorter à l'intérieur. Maître Cordova, avez-vous retrouvé les Effauts ? Seulement des traces de leur passage, qui plongeaient dans les régions inconnues. Je suis désolé. C'est ainsi. Finalement, cet échec m'a poussé à chercher d'autres Jedi survivants. Et cette quête m'a mené à mon apprenti. Comment allez-vous ? Ça n'annonce rien de bon. J'ai quelques égratignures, mais je respire encore. Je m'en réjouis. J'ai entendu dire qu'un terroriste Jedi se trouvait sur Coruscant. Vous étiez sur Coruscant ? Eh bien, on dirait que le Mantis a connu des jours meilleurs. Tu devrais voir les autres. Vous venez, Cal ? Cette base est bien cachée. Ouais. La présence de l'Empire s'est amplifiée ces dernières années. Ils sont trop puissants pour un combat direct. Mais nous faisons notre possible. Il est bien entendu essentiel de tenir notre œuvre secrète. De quoi parlez-vous exactement ? Posez plutôt la question à Serré. En attendant, Mérine et moi accueillerons les nouveaux arrivants. Alors, comment était le désert ? Froid, venteux et plein d'impériaux. Ce n'est pas ma météo préférée. Mais ça devient la norme ces jours-ci. Où avez-vous échappé à la tempête ? Dans une grotte après le vieux marché. Notre ami Spamel nous a montré le chemin. Vous avez le chic pour vous faire des amis où que vous alliez. L'instinct de survie, peut-être. J'ai intercepté des communications impériales. Comment vous sentez-vous ? Mieux, merci. Le thé que vous m'avez apporté était délicieux. Bon, on a quoi ici? Bon, d'accord. Maître Cordova et moi allons attendre Grise. Va parler à Ciri. Elle est où? Ici? La plateforme est pas ici. Grise doit être dans la cuisine. On le retrouvera plus tard. Non, ça n'a pas rapport ici. Ah, attends, c'est quoi ça? Ah! Il faut continuer. Frère Armias n'est pas du genre à rompre le contact. Cal Kestis. Bienvenue sur Jedha. Je savais que la tempête ne te ferait pas peur. Vous reconstruisez les archives du temple ? Nous essayons. Tant que ces connaissances perdureront, l'héritage des Jedi vivra. C'est incroyable. Mm-hmm. Mais quelque chose me dit qu'il y a plus que des hololivres ici. Oui. Nous faisons partie d'un réseau, connu sous le nom de Passage.
Nous offrons un accès sûr et de nouvelles identités à ceux que l'Empire a persécutés. Vous voulez dire comme... des Jedi survivants ? Nous ne sommes plus très nombreux. Mais oui. Et aussi des personnes sensibles à la Force et ceux qui les aident. Et vous ne m'avez rien dit ? Tu n'as jamais demandé. De plus... il semble que tu étais occupé à devenir l'ennemi numéro un de l'Empire. Je voulais prouver à la galaxie que l'Empire n'est pas invulnérable. Qu'on peut résister. Qu'il faut qu'on se batte pour que les choses s'améliorent. Mais ils préfèrent écouter la propagande et faire comme s'ils étaient libres. Eh bien, tu as choisi une voie difficile. Ouais, bah ça n'a pas changé grand-chose. Oui, mais... pendant que l'Empire avait les yeux rivés sur toi, nous avons pu construire ce réseau, trouver des alliés, et sauver des vies. Quand vous êtes parti, j'ai cru que vous renonciez. J'avais tort. Cal, tu n'étais qu'un gamin quand ils t'ont envoyé à la guerre. Tu sais, à une époque, je me rappelle que... les Jedi étaient plus... que des armes. Mais... nous avons tous deux un rôle à jouer dans ce combat. Et c'est pour ça que je suis là. Serré. Regardez-moi un peu ça. Hé, hey, Serré. On peut pas dire que ça manque de personnalité, mais j'avoue que c'est un peu flippant. Contente de te revoir aussi, Chris. Eh, hey, bonjour, BD. Bon, hey, ça va, hein. Alors, comment c'était dans le désert? La tempête a couvert nos traces, mais malheureusement l'Empire a détruit un de nos speeders. Ce n'est pas cher payé puisque tout le monde est sain et sauf. Et qui est-ce? Je vous présente Bo Dacuna. C'est un ami. C'est un honneur d'enfin vous rencontrer. C'était mon un problème. Hé hey, on est tous ensemble. Ah oui. Et qu'est-ce qui vous amène tous sur Jedha? On recherche une planète cachée. Tanalor, vous la connaissez? Elle est de l'autre côté d'une nébuleuse mortelle, l'abysse de Kobo. Eh bien, nos archives sont incomplètes, mais je suis sûr que Maître Eno Cordova est à la hauteur. Avec plaisir. Oui, mais le problème, c'est que nous ne sommes pas les seuls à la chercher. Je me disais bien que c'était trop facile. Il s'appelle Dagan Gera, un ancien Jedi. Il dirige les pillards dans la bordure extérieure. Il y a un temple là-bas. Dagan cherche à le reprendre. Un temple Jedi hors de portée de l'Empire, cela veut forcément dire qu'il y aura des informations que nous n'avons pas dans les archives. Je crois que j'ai quelque chose. Non, tu es trop gentil, BD. Je commence par la mauvaise nouvelle. Oh, ce type connaît bien son public. Je n'ai rien trouvé sur comment traverser l'abysse de Kobo. Mais j'ai trouvé deux mentions de ce Dagan Gera. Il avait une base sur Kobo. Et les archives disent qu'il fréquentait un laboratoire sur sa lune. Bon, on va aller voir ça. Si vous trouvez quelque chose, rapportez-le. Je serai heureux de vous aider. Merci. À vous deux. Mais de rien, Cal. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Que la Force soit avec vous. Et avec toi. Nous sommes tous réunis. Oh, qu'as-tu fait, toi? Ok. Je vais te raccompagner au Mantis. Donc tu viens pas avec nous? Je peux pas. Hé, hey, Cal! Attends. J'ai ça depuis que je me suis mis à mon compte. Ça m'a sorti de pas mal de problèmes. Et je me suis dit que ça pourrait te servir. Meryn, c'est ça? Je pourrais t'en avoir un autre si tu penses que tu... Pas besoin, Baud. Bon, bah ça va, on dirait.
Mon maître n'a jamais aimé les blasters. Tu as dit un jour que ce n'était pas l'arme qui faisait le Jedi. C'est nous contre la galaxie, Cal. On doit utiliser tout ce qu'on a sous la main pour combattre l'Empire. Merci, Baud. Bon, je vais te montrer comment ça marche. Un Jedi avec un gun. C'est quand même cool pour vrai. On n'a jamais vu ça. Un vrai Stormtrooper est toujours en mouvement. Faut bien commencer quelque part. Et ben voilà. Pas mal, Jedi. Donc, tu travailles de tout temps pour serrer? Je ne travaille pas pour serrer. C'est vrai. Désolé. En frappant des ennemis. Ok. Détends-toi, Cal. Concentre-toi et appuie sur la détente. On veut vraiment un physique. Cal n'aime pas les Stormtroopers. Tout le monde. Je crois que t'as compris, Cal. Ah, mon peluche. Ok, ouais. Ah, je sais pas, hein, les deux sabres versus avec les tirs. Moi, j'aime bien avec mes deux sabres, pour vrai. Comme ça, ou comme ça. Ah, les deux sabres, c'est vraiment badass. C'est sympa de te voir, Meryn. Bonne chance, Cal. Je serai peut-être encore là à ton retour. J'espère. Alright. Bon, on va aller sur la lune, mais nous on va cesser là-dessus, donc j'espère que vous avez apprécié, donc un grand merci à ceux qui ont pris le temps de regarder, un grand merci à ceux et celles qui prennent le temps de liker, qui s'abonnent également, ça m'aide beaucoup et j'apprécie énormément, donc un grand merci à vous, et puis nous on se retrouve pour la suite, donc restez à l'écoute, à la prochaine, ciao!